Je suis sur le mensuel, je suis sur le mensuel, je suis sur le mensuel, un site de magazine culturel, et vous avez raison de le regarder, ou de l'écouter, ou de zapper. Tristan Petit Girard, qui est l'auteur et metteur en scène de la pièce, m'a appelé et m'a dit voilà ce que tu veux lire, une pièce que j'ai écrite. Il me dit mais c'est un peu un boulevard. Moi je veux pas du tout le monter comme un boulevard. C'est pas enfin voilà, lis-le. Moi j'ai lu ça et en fait j'ai pas arrêté du début à la fin, ce qui est le à mon avis le bon baromètre pour faire une pièce, c'est qu'on s'arrête pas. Donc je me suis pas arrêté, j'ai commencé, j'ai lu et je suis allé jusqu'au bout. Et je me suis dit c'est fin, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on peut imaginer. Enfin encore une fois, dans le basique, le mari, la femme et l'amant. Mais en même temps, parce que d'abord parce que c'est une comédie romantique déjà, et puis parce que c'est un auteur contemporain. On peut rater son histoire et réussir sa rupture. Eric. Gaëlle. Quand on quitte quelqu'un qu'on n'aime plus, on ne l'abandonne pas, on le libère. Comment tu m'as trouvé? C'est compliqué. J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des personnages et avec beaucoup de choses différentes. Est-ce que c'est ça que j'imaginais? Oui, je crois que c'est ça que j'imaginais au début, parce que c'était, encore une fois, des histoires à raconter, beaucoup d'histoires à raconter. Plus on a des personnages différents, plus les histoires sont différentes. Puis des univers, j'ai la chance de pouvoir faire de la télé, de faire du cinéma, de faire du théâtre, même d'aller faire des émissions de télé. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir passer d'un univers à un autre, que les gens l'acceptent, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, si je peux être porteur d'un truc, de dire on peut passer de là à là, facilement, et pourquoi rentrer dans des cases, tant mieux quoi. Je suis surprise que t'aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais pas là? Ravi de te rencontrer, Julien. Les amis de Gaël sont mes amis. Tu peux pas savoir à quelle fois ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, merci, j'imagine. Ne venez surtout pas chez elle. Ça va être difficile. Pourquoi? Je suis déjà sur place. Je me souviens très bien d'une rencontre que j'avais faite avec Jean Marais. Et c'est drôle parce que c'est ce qu'il disait, lui. Il disait, mais moi, dans ma carrière, j'ai toujours dit aux gens que j'avais de la chance. Même si j'en avais pas, hein, même si c'était complètement faux. Mais je disais aux gens, mais j'ai de la chance, j'ai toujours de la chance, c'est fou, hein, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de chance. Et les gens étaient persuadés que c'était vrai. Et que donc, en fait, comme ils étaient persuadés qu'ils avaient de la chance, les gens l'engageaient, le trouvaient sympathique, effectivement, les choses fonctionnaient, etc., etc. Mais il disait, moi, j'ai toujours dit que j'avais de la chance, tout le temps. Tout le temps, il faut toujours tout le temps être positif. Parce que d'abord, on joue avec ce qu'on est. Et si vous arrivez déprimé, je vous dis, les rencontres, ça se passe pas forcément très bien. Les gens n'ont pas envie d'avoir un mec déprimé. Et vous travaillez moins bien. Et là, ça arrive dans nos vies d'avoir des moments plus compliqués. Mais il faut essayer de pas les. Voilà, un peu démasquer. Julien et moi, nous avons nos petits secrets. Ouais, surtout toi. Et toi alors? T'as rencontré quelqu'un? Non. Tu me caches quelque chose? On se dit jamais tout dans un couple, sinon aucun résisterait. Je peux me rendre folle! Mais qu'est-ce que tu m'as imaginé, moi j'ai rien à cacher! Aïe. J'ai eu des moments, moi, difficiles de vie, de machin, de trucs, mais qui étaient où j'avais eu la chance de jouer des pièces qui étaient pas qui étaient des drames. Et que donc, j'avais la possibilité de mettre toute mon énergie négative sur le plateau. Et ça ressemble, dans ces cas-là, effectivement, à des thérapies. Parce que vous sortez de là, vous avez tout balancé, vous vous sentez bien, comme quand vous allez chez un psy et que vous balancez tout et que tout d'un coup, je suis libéré de quelque chose, j'ai mon sac s'est vidé et puis bon, je suis peut-être pas plus heureux, hein, mais en tout cas j'ai vidé mon sac. Et nous, on a cette chance-là, en tout cas quand on joue, c'est qu'on peut vider notre sac. Les gens ils sont pas au courant, et moi quand je jouais Che Guevara, les gens ils étaient pas au courant que c'est pas Che Guevara qui était mal, que c'était moi. Ils disaient putain, il joue bien, qu'il était mal Che Guevara.
Bah ouais, non, mais parce que moi, je mettais des trucs où je me disais, putain, là, ça va pas. Je les mettais dans ce personnage-là, les gens, ils croyaient que c'était Che Guevara. Effectivement, il est au plein milieu de la Bolivie, ça va pas, il a pas à bouffer, il va bientôt mourir. C'est sûr qu'il va pas bien. Donc je pouvais le mettre là, c'était sûr et certain. Je travaillais avec ce que je suis, quoi. Mon instrument, c'est moi. Voilà, le violon, violoniste, l'archer, tout ça, machin, c'est moi. Donc je suis même pas sûr que je travaille... Pas que je me sépare, non, pas du tout. J'arrive avec ce que je suis, et ce que je suis est chargé de quelque chose. Mais les gens, ils s'en foutent, ils ne verront qu'une seule fois la pièce. Ils la verront sans doute jamais deux fois, ils ne l'ont jamais vue. Ils la verront qu'une seule fois. Pour eux, la représentation, ce sera celle-là, et pas une autre, quoi. Donc, moi, j'aurais beau la jouer 140 fois, on s'en fout. Eux, ils verront celle-là. Je suis perdue, là. Mais je sais, mais moi aussi. Ah non! Tu m'insultes dans ton texte? Non. Il va pas falloir que tu le prennes mal. C'est pas gagné. Ça me fait plaisir de te voir. Nous, il se trouve qu'on a joué cette pièce, on jouait dans un théâtre qui s'appelle la Comédie Bastille, qui est en face de chez Charlie Hebdo. En face, à 5 mètres. Donc le 7 janvier, on était en répétition. Et donc quand ça s'est passé, le quartier a été mouclé et ils ont rapatrié tous les gens de chez Charlie Hebdo dans le théâtre. Donc on s'en est occupé, on a géré tout le bordel, la sécurité civile, les pompiers, tout ça. Et on a vécu dans cette ambiance-là. On a entendu la mitraille, le truc, le machin. Enfin bon, on a vécu le truc complètement de l'intérieur. Pourtant le lendemain, on s'est dit comment on fait, quoi, de quoi, comment on va faire, qu'est-ce qu'on fait. Et le metteur en scène nous a dit, on y retourne, quoi, on y va, sinon on n'y arrivera pas. Et nous, il a fallu donc retourner le lendemain dans cet endroit, dans cette rue, donc rempli de flics, d'histoires, de symboliques, de tout ça, et tout d'un coup de dire, enfin, c'est un coup, c'est très troublant pour nous. Mais on s'est dit, on y va. Alors bon, je vous avouerai que la première répète, elle s'est passée très bizarrement, puisqu'il y avait les psys qui sont venus de l'Hôtel Dieu, et que donc on s'est mis autour d'une table et qu'on a parlé de ce qui s'était passé, puisque l'événement était forcément extrêmement marquant. Il était déjà marquant pour la France entière, mais pour nous encore plus en étant sur place. Mais donc on a passé une heure avec les psys, et puis d'un coup on a dit, bon, on y va, on répète. Mais il n'y a pas un seul moment où moi, en jouant cette pièce, je ne me souviens pas du moment où j'entends les armes, quoi. C'est-à-dire que je sais exactement à quel moment c'est, à quel moment je le dis dans la pièce. Il se trouve qu'en plus, c'est un moment très marquant dans la pièce, puisque je parle du destin et tout ça, machin. Et que donc, moi, chaque fois que je dis ce mot, je sais que c'est là, je sais que je l'entends, et tout ça, machin, que c'est présent, quoi, que ça existe. On était chargé de ça, mais pourtant, on est reparti en se disant, il faut le faire. Après tout, le rire, voilà, c'est ça qui est moteur. Ce qui sera important, ce sera de se souvenir et puis pas oublier.